Re-coucou, deuxième vidéo de la journée. Donc là, on se retrouve pour la vidéo ouverture de courrier. Donc il y a des courriers qui sont de décembre que j'ai reçu en décembre mais que j'ai pas fait de vidéo. Et là, j'ai reçu aussi un courrier hier. Donc on va commencer par décembre. Mais tout d'abord, tout à l'heure, j'ai fait la vidéo haul et j'ai oublié aussi de vous montrer à comment ça s'appelle des achats de Amazon. Donc j'avais trouvé le Dize Joyeux Noël. Le problème, c'est qu'il y a l'étiquette devant. Donc, je vais l'ouvrir vite. Donc, voilà. Donc, j'ai trouvé un dice comme ceci. Joyeux Noël. Le dice. Merci beaucoup. Non, merci et invitation. Donc, en fait, je les prends sur Amazon. Et ceux qui les vendent, c'est la... Le... Donc sur Amazon, il y a la... C'est quoi déjà le nom? Cabina qui vend des dice. Donc je les achète à chaque fois sur, leur... sur Amazon, mais de leur lien à eux. De leur, la boutique Cabina. Donc sur Cabina, donc là, merci et invitation. Là, normalement, il me reste un dice que je dois recevoir de je sais plus de quel site. Donc là, c'est surtout des dice un peu Noël. Donc, j'ai un dice boule à neige avec un décor de Noël derrière. Donc, il faudra que je fasse les découpes parce que je les ai pas faites. Donc, un dice comme ceci. Donc, comme j'avais reçu des découpes dans ce style de dice, d'un coup, je les ai cherchés sur Amazon et je les ai trouvés. Donc, c'était un lot. Là, j'ai un paysage. Alors, le Père Noël avec son traîneau. Donc, ça sera super pour l'année prochaine. Ou même si je fais mes albums que je devais faire de Noël. J'en ai fait un, je n'ai pas fait les autres. Donc là, j'ai une petite cloche. Donc, même pour Pâques, ça sera parfait. J'ai les petits cerfs comme ceci et Merry Christmas. Donc voilà, ça c'était pour Amazon, c'était juste pour vous montrer. Donc en décembre, j'ai gagné le concours de... Ah, je m'en rappelle pas, je sais pas si elle m'a mis le... du nom de son Instagram. Je crois que c'est Mini. Mini, bon, dans les deux cas, je vous mettrai le nom en barre d'infos parce que je ne me rappelle plus et j'ai pas envie de dire de bêtises. Ah voilà. Miné. Donc son Instagram. Je vais essayer de cacher un peu le mot. Il est là. Donc c'est ça son Instagram. Donc vous la trouverez sur Instagram. Elle fait des... Donc voilà sa carte. J'adore ses créations. Elles sont vraiment trop belles à chaque fois. Ah ben voilà, c'est... Donc là, ses coordonnées. Moi, il faut vraiment que je me fasse mon tampon aussi. J'adore en plus avec le petit chat, c'est trop mignon. Donc, elle a un blog aussi, Canal Blog. Enfin, j'ai y faire un tour, je ne suis toujours pas allée. Donc, bon, je l'ai déjà ouvert et déjà lu le mot. Mais je vais relire. Donc, j'ai participé à ton concours avec plaisir. Hein, c'était... En plus, j'adore regarder tes créations, elles sont trop belles. Le seul truc que tu devrais faire, c'est créer une chaîne pour montrer comment tu les fais certaines. Donc... Donc comme j'ai gagné, j'ai reçu plein de petits trucs. Donc j'ai reçu des brases. Alors ceux-là j'adore, ils sont trop beaux. Je sais même pas d'où ils viennent. Donc si tu passes par là, si tu peux me dire où tu les as trouvés. Parce que ceux-là je les adore, ils sont trop beaux. Ils sont bleus et pailletés. Donc je sais pas si on voit la caméra, mais ça brille. Et j'adore trop, c'est trop joli. Faire des jolies fleurs avec. Ensuite, j'ai du ruban bleu et une petite guirlande. On dirait comme des guirlandes là.
Donc ça, c'est trop beau. Après, là, il y a de la cordelette. Là, c'est de l'organza. Là, en fait, on dirait qu'on peut... C'est comme si on mettait des... on faisait un bracelet et on faisait plein de petites breloques accrochées. On va enlever le plastique parce que, en fait, ça fait comme des... Voilà. Je sais pas si on va voir. Pourquoi on accroche plein de petites breloques tout le long. C'est trop joli. Donc voilà, du ruban. Ensuite, j'ai eu des petits strass. Trop beau. Donc comme ça. En rose, rouge, bleu et vert. Et ensuite, des embellissements. Donc de Cultura en blanc et gris. Donc il y a marqué, c'est des petites boules et des étoiles. Il y a marqué des étoiles et c'est noté Joyeux Noël. Ça j'adore, c'est trop joli. Donc ça sera dans mon truc pour Noël l'année prochaine. Non, l'année prochaine, de cette année. Ça va pas la tête. Ensuite, j'ai reçu, j'espère que j'ai rien montré, un courrier de Isabelle en remerciement à ma participation à son concours. Donc, une jolie carte sur le thème de Noël. J'adore. C'est trop joli. Mais je crois que ça, c'est des blocs qu'on... des blocs avec les die cuts et tout, qu'on fait spécial pour faire des cartes. Voilà. C'est une petite carte pour me remercier de son concours. Ben, c'est moi qui te remercie pour toutes tes vidéos. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup à Isabelle. Donc, c'est... le nom de sa chaîne, c'est Zabou Présentation. Oui, c'est ça, Zabou Présentation. Et ensuite, là, c'est hier ou avant-hier, j'ai pas eu le temps. En plus, il faut que j'ai envoyé un message comme quoi j'ai reçu ça. J'ai bien reçu sa carte. Donc, j'ai reçu une carte de... non, c'est bon, on ne voit pas. De Anne-Marie... Oui, c'est ça, Anne-Marie T. Donc c'est... Waouh, j'avais pas ouvert, je viens juste d'ouvrir. Oh, c'est trop joli. Ah, oh, ça a été coupé dans... Ah, ça a été coupé. Les découpes de sapin. Alors, c'est meilleurs vœux. Donc, une jolie carte comme ceci. Je sais pas si c'est elle qui a fait le fond. Mais c'est trop beau, le fond il est magnifique, j'adore. Ah, il y a un grand mot, donc je vais lire. Oh, ben félicitations pour la naissance du petit. Une seconde fois. Donc, ben Anne-Marie, toutes mes félicitations pour le... pour la venue de ton petit enfant. Merci beaucoup. Moi, il faut que j'envoie mes cartes de vœux parce que sans verre, je suis méga en retard. Elles sont faites, mais j'ai pas tout fini et j'ai toujours pas envoyé. Donc, voilà, ma vidéo est à présent terminée. Donc, je vous laisse sur ces belles créations. Attendez, la troisième. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!